Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel instant Mercato puisqu'il s'est passé plusieurs choses en ce début de semaine. Effectivement, Adil Rami, ça y est, il a signé à l'Olympique de Marseille, comme en témoigne cette photo, c'est lui qui l'a rendu public sur son compte Facebook officiel, je vous invite à aller voir pour la source. Et Steve Mandanda a également signé à l'Olympique de Marseille un contrat de 3 ans aujourd'hui, donc on ne sait pas encore quand sera l'officialisation sur le site officiel, mais ça devrait arriver très vite. Et pour ce qui est de la présentation, ça sera soit demain, soit jeudi, en fonction des choix du président. En Ligue 1, ce n'est pas la seule info puisque le Paris Saint-Germain va sans doute enregistrer la recrue, la très bonne recrue Dani Alves, qui donc a passé sa visite médicale avec succès et va s'engager prochainement avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est une très bonne recrue, je trouve, pour le PSG, Dani Alves, qui est encore de très très belles années à faire, surtout quand on a vu ses prestations en Ligue des Champions. Il y a eu pas mal de mouvements ces derniers jours à l'étranger, voici un petit récapitulatif des plus gros mouvements, je mettrai le reste des transferts dans les commentaires. Et donc vous l'avez sans doute vu, Wayne Rooney qui revient à Everton, c'est officiel, donc après avoir passé quelques années à Everton, c'est là qu'il s'est vraiment fait connaître et qu'il est parti ensuite à Manchester United, eh bien il revient dans son ancien club qu'il avait vraiment révélé. Du côté de Manchester United, un grand ami de Paul Pogba qui arrive, c'est Lukaku. Le Bayern Munich qui prête, enfin le Bayern Munich qui se fait prêter, pardon, James Rodriguez par le Real Madrid. Et enfin, un autre prêt du côté de la Juventus, c'est Douglas Costa qui arrive à la Juve, c'est officiel. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces grosses rumeurs transferts. Pour revenir au cas Adil Rami et Steve Mandanda, pour moi, c'est deux très bonnes recrues malgré leur âge, même s'il y en a beaucoup qui vont critiquer par rapport à leur âge. Je pense que c'est vraiment des bonnes recrues qui vont apporter énormément à cette équipe marseillaise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maestro. À très bientôt. Ciao, ciao.